Bonjour à tous et bienvenue sur CBMAT. Bac ES, Nouvelle-Calédonie, session 2017. Exercice 2 pour les candidats de la série ES ayant suivi l'enseignement de spécialité. Les deux parties sont indépendantes. Partie A. En 2012, un village ne comptait qu'un seul médecin, Albert. Début 2013, un nouveau médecin, Brigitte, s'installe dans ce village. À l'arrivée de Brigitte, 90% des habitants du village choisirent Albert comme médecin, les autres choisirent Brigitte. On suppose que chaque habitant du village est patient du même médecin, Albert ou Brigitte, tout au long d'une année. On observe, à partir de 2013, que chaque année, 13% des patients d'Albert changent de médecin et deviennent des patients de Brigitte. 8% des patients de Brigitte deviennent des patients d'Albert. On choisit au hasard un habitant de ce village. Pour tout entier naturel N, AN est la probabilité que cet habitant soit un patient d'Albert pour l'année 2013 plus N. BN est la probabilité que cet habitant soit un patient de Brigitte pour l'année 2013 plus N. PN est égal à AN BN est la matrice correspondant à l'état probabiliste de l'année 2013 plus N. Question 1. Déterminer la matrice ligne P0 de l'état probabiliste initial. Question 2. Représenter la situation par un graphe probabiliste. Question 3. Déterminer la matrice de transition M de ce graphe. Question 4. Montrer que P1 est égal à 0,791, 0,209. Question 5. Exprimer PN en fonction de P0, M et N. Question 6. En déduire la matrice ligne P4 et interpréter le résultat. Les résultats seront arrondis au millième. Question 7. Déterminer l'état stable A-B de la répartition des patients des médecins Albert et Brigitte. En donner une interprétation. Alors, exercice 2, spécialité partie A. Donc ici, il y a concurrence de médecins. Donc on veut savoir quelle est la proportion des habitants qui préfèrent l'un ou l'autre médecin. Donc à l'arrivée de Brigitte, 90% des habitants du village choisirent Albert et les autres choisirent Brigitte. P0, eh bien c'est 0,9, 0,1. Ici, A0, B0. Alors, le graphe probabiliste, donc ici A, ici B. Donc, 13% des patients d'Albert changent de médecin. 0,13. Et donc, ici, il va rester 0,87. 0,92. Ainsi, la matrice de transition M, ça va être... Donc ici, départ AB, arrivée AB. Donc ici, départ A 0,87, 0,13 et départ B, ici, avait 0,08, 0,92. Alors, P1 est égal à M fois P0. M fois P0, M c'est 0,87, 0,13, 0,08. 0,90 fois P0, 0,9, 0, ensuite, ceux qui partent de Brigitte vers Albert, 0,08. Ici, ah bon. Donc ici, on va faire la multiplication matricielle suivante. Donc ici, 0,87 fois 0,9 plus 0,08 fois 0,1. Ici, 0,13 fois 0,9 plus 0,92 fois 0,1. 0,87 fois 0,9 plus 0,08 fois 0,1. On va trouver 0,791. Et donc ici 0,13 fois 0,9 plus 0,92 fois 0,1, 0,209.
Ce qu'il fallait bien trouver. Alors ici, P2, là c'est M fois P1, mais P1 c'était M fois M P0, M au carré P0. P3, M fois P2, M fois M au carré P0, donc M au cube P0. Donc ici, on peut conjecturer que Pn est égal à m puissance n P0. Alors, en déduire la matrice ligne P4. P4, c'est m puissance 4 P0. Alors, 0,87, 0,13, 0,08, 0,92, puissance 4 fois 0,9, 0,1. Alors ici, on va pouvoir calculer ça sur calculatrice et ensuite on fait la multiplication matricielle. 0,87,013, 0,08,092. Voici la matrice. On va pouvoir faire puissance 4. On va trouver donc ici 0,62, 0,38, 0,23, 0,77, 0,9, 0,1. Ici. Alors, millième. Alors, les résultats seront arrondis au millième. 22. Donc 7,8. 6. 3. 6. Donc ensuite, multiplication matricielle. Donc 0,622 × 0,9. 0 plus 0,233 × 0,1. Et si 0,378 × 0,9 plus 0,767 × 0,1. On va trouver. Alors 0,622 × 0,9 plus 0,233 × 0,1. 0,5831. 0,5831, 3. 0,378 × 0,9 plus 0,767 × 0,1. 0,417. Donc, interprétation du résultat. En 2017, la proportion de clients d'Albert est de 0,583. Alors que la proportion de clients pour Brigitte est de 0,417. Alors maintenant, état stable, donc ici AB égale à 0,87,013, 0,08, 0,92 AB. Bien entendu, il faut ajouter que A plus B est égal à. Donc ici AB est égal à, donc multiplication matricielle, 0,87 fois A plus 0,08B et 0,13A plus 0,92B. Ici A plus B est égal à 1, 0,87A plus 0,08B égale à A, 0,13A plus 0,92B est égal à B. Donc ici, B est égal à 1 moins A. Donc ici, on va prendre la première équation. 0,87A plus 0,08 1 moins A égale à A. B est égal à 1 moins A. 0,87A plus 0,08 1 moins A est égal à A.
trois immigrations, je n'écris pas. Alors, ensuite. V est égal à 1 moins A. Donc ici, 0,87A plus 0,08 moins 0,08A égale à A. Donc ici, si on fait passer le A de l'autre côté, ça va faire 1,08. Donc ici, on va avoir V est égal à 1 moins A. Donc ici, on va avoir moins 0,21A égale à moins 0,08. Et donc, 21A égale à 8. A est égal à 8 sur 21. Et B égale à 1 moins A. 1 moins 8 sur 21. 21 moins 8 sur 21. 13, 21e. Donc voilà, rapprocher 0,381 et ici 0,69. Donc, interprétation. Sur le long terme, 38,1% des habitants du village auront pour médecin Albert et 61,9% pour médecin Brigitte.